Je m'appelle Billy Lurk, mais peu de gens s'en souviennent. Pendant des années, je suis restée cachée, à la tête d'un navire appelé le Dreadful Whale. J'étais une contrebandière, une receleuse, même une traîtresse d'après certains. Nos noms sont toujours éclipsés par nos actes. Si vous vous cachez suffisamment longtemps, tout le monde vous oublie. Puis vous vivez en solitaire, avec vos choix. Mais je n'ai jamais pu oublier l'homme qui m'a sorti du néant. Daud, la lame de Dunwall. Un nom murmuré par les accablés ou les mourants. L'assassin qui a tué une impératrice et en a sauvé une autre. La honte, ça ronge de l'intérieur. Quand je l'ai trahi, elle m'a laissé vivre. J'ai quitté Dunwall, ainsi que mon nom. Je me suis longtemps demandé si je méritais le pardon. Je me trouvais pathétique. À vouloir le pardon d'un assassin, la pitié coupe parfois plus qu'une lame. Maintenant, je sais que pardonner est quelque chose qu'on fait pour soi-même et pour ceux qui vous blessent. Daud est à Karnaca. Et je vais le trouver. Toutes les nuits, le même cauchemar. Un combat de rue, mon bras tranché par terre, mon œil arraché par une épée de la Grande Garde, et quand je me réveille, ils me font encore mal pendant des heures. Horrible. Au moins ce truc me réconforte. Tu l'as volé, n'est-ce pas, Derdre? C'est tout ce qui me reste de toi. Encore une relique du passé. Toujours affûté, au moins. Ce club de boxe au bain d'Albarca est ma dernière piste. Daud doit s'y trouver. Cambrioler, espionner, faire les poches. Daud m'a appris bien plus que tu es. Et ça m'a permis de tenir. Jusqu'à présent. Ah, son Altesse impériale est donc revenue sur le trône. Si elle savait ce que je prépare, je serais déjà morte. J'ai cherché pendant des mois. Je sais que tu n'es pas loin, Daud. Quelque part. Daud a la marque de l'outsider sur sa main depuis que je le connais. J'ai enquêté à ce sujet dans tous les quartiers malfamés. Personne n'a jamais rien dit. Thank you.
Cette station n'a pas servi depuis des années. Y cacher le Dreadful Well n'a pas été facile, mais il est à l'abri pour l'instant. Vous me dire aujourd'hui, mes petits copains. La nuit, écoute. La nuit nous entend. Il était nôtre. Il était nôtre. Mais il est laid. Il est con. Mais c'est notre ami. Elle nous nourrissait dans les mains artificielles. Grain, miettes, voix forte, métal. Beaucoup de sang chaud sur le sol. Notre premier festin. Nous l'avons dégusté. Ok, les bains d'Albarkan devraient pas être loin. C'est pas comme avant, mais ça fait plaisir. Je me demande si d'autres les a vus.
chair de la rue, mordre les yeux et les langues. Un délice, abandonné dans les caniveaux chutes. Qu'un gang. Tu risques plus de te retrouver avec un poignard dans le dos que maudit. Si tu le dis. Mais je préfère attendre les renforts. Allez, vite! J'ai entendu quelques trucs à propos des aveuglés. C'était jamais bon. Les égouts, ils nous craignaient tous. Mordre, mordre! Demain, je ramène des cigares. Je ne suis pas assez saoule pour discuter. D'accord. Ça bousille le voisinage, voilà ce que ça fait. On n'est plus en sécurité. Changer ma solde contre une bouteille de whisky. Et peut-être que je tenterai ma chance au dé. C'était censé augmenter ma force. Oh. J'ai plus rien senti du coup au pied de toute la nuit. Amorphe comme une abîme. Je pouvais pas marcher, tenir debout ou pisser sans l'aide de Gretchen. Non, je vais me contenter des charmes d'os de bœuf. Oh, fais comme tu veux. Mais crois-moi, quand tu fouineras comme un porcelet sur le ring, tu regretteras de ne pas avoir utilisé mon onguent. Ce soir, on joue au dé. Janet Lee, la propriétaire. Elle répondra à vos questions. Ça pourrait n'être qu'un nom, mais s'ils utilisent vraiment de la magie... Je vous connais. Non, bien sûr que non.
c'est fermé parce que c'est privé, compris? Mais bon... Par les yeux de l'outsider, c'est Dode. Je dois vite le faire sortir d'ici. Je m'attendais à mieux. Regarde-toi, piégé comme un clébard dans un trou, attendant que ton maître te lance un charme d'or. Cette chose doit annuler les pouvoirs de Dode. Si je l'éteignais, rien ne pourrait l'arrêter. Je l'affronte ou pas? J'ai mal partout, mais j'ai vraiment besoin d'argent. Partez d'ici si vous ne voulez pas perdre vos dents. Je vais vous casser la tête. Apprendre les bonnes manières. Je veux entendre. Je vais me faire. Il est temps de lâcher. Ah, non, vous vous attendiez pas à ça, hein?